1951, la société Esso Standard a obtenu un permis de recherche sur la zone des Landes. Et c'est en début 54 qu'un premier forage a été implanté, mais un peu à l'intérieur du permis, à Mano. Mais ce puits n'a été sec, il n'a rien donné. Donc nous avons trouvé à Mano, là où nous avons arrêté pratiquement le forage, une formation dolomitique de la fin du Jurassique qui avait des indices, de forts indices pétroliers. Donc en soi, ça devenait un objectif, puisque c'était la première fois que l'on trouvait, nous, en Aquitaine, et des formations encourageantes. Ça n'était pas du tout évident, parce qu'il y avait quand même une grosse difficulté, c'est que les sédiments, les couches sédimentaires n'apparaissaient pas, étant donné que toute la surface ici est recouverte d'une épaisse couche de sable. Mais il ne faut pas oublier que nous étions toujours de la prospection, donc hors du réel. Un deuxième emplacement a été choisi, qui se situait à Parentis. La sismique avait révélé une structure. Effectivement, c'était assez nébuleux, mais enfin, ça c'est dû au mérite de l'interprétation géophysique. Et donc, il y a eu l'implantation de la structure de Parentis. Premier forage qui était à la fois de l'exploration, mais surtout une naissance d'espoir. Parce que où ça allait confirmer ce que les couches que nous avions rencontrées à Mano, où à ce moment-là, on découvrait autre chose. Et c'est ce forage qui, en mars 1954, a présenté des indices de pétrole. Mais avant d'atteindre ce réservoir, le forage a été interrompu parce que c'était en dehors des limites de l'appareil. Parce que les prévisions de profondeur, effectivement, étaient source d'interprétation. Et ça a été la découverte du réservoir, grâce à un géologue d'expérience à l'époque, qui était Michel Blériot, qui arrivait du Gabon. Ensuite a commencé la mise en exploitation, d'abord la délimitation du réservoir et la mise en exploitation de ce gisement. Ah ben tout le monde y croyait, oui, c'est un trésor qui est arrivé là. Ils arrivaient à faire 400 mètres cubes, je voulais quand même, un seul puits. Mais c'est surtout, comme je dis, je répète, la pression qu'il y avait. Alors là... Le puits, on ne débitait pas à plein régime, on était dusé, on avait des duses sur la tête de puits. Hein. On dusait les puits, ils étaient freinés. Hein. Alors on avait décidé d'enlever les duses et de faire débiter à plein régime. Mais l'inconvénient, comme on avait un appel de pétrole et en même temps l'eau remontait, alors on s'est aperçu au bout de 15 ou 20 jours, ou enfin au moins, tout le monde, les ingénieurs, ceux qui travaillaient, hein, les responsables, que l'eau remontait. On en avait peur que l'eau en remontant, comme le gisement était sur de l'eau salée, hein, que l'eau envahisse les zones productrices et noie le puits, tout le puits. 20 jours après, on a remis dans l'état normal. On n'a pas pu faire débiter à plein régime. La bourse a provoqué une montée des actions d'Esso Standard qui n'a cessé de grimper pendant plusieurs semaines. Pour vous donner une idée, après avoir commencé à 500 ou 600 francs de l'époque, on s'est retrouvé avec une somme de 125 000 francs au bout de plusieurs mois. Ce qui fait que beaucoup de gens, même le curé de Parentis, avaient encouragé ses ouailles à prendre des actions d'Esso Standard. Et d'ailleurs, lui-même, il en a pris, ce qui lui a permis de restaurer une partie de son église, car il n'a pas gardé l'argent qu'il avait gagné. Pour l'expédition sur la raffinerie, qui était à ce moment-là, il fallait tester le brut, parce qu'il y avait des normes à respecter à cause des douanes. On ne devait pas envoyer le pétrole, je crois que c'était 0,05 d'eau, mais pas plus. Hein. Le gros changement, moi je dirais, c'est surtout le pourcentage d'eau oui, qu'on a. Voilà. Maintenant, on est presque à 98% d'eau. On produit encore beaucoup de volume, ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, la part à la fraction pétrole, bien sûr, a diminué. Bien sûr. Donc sur Parentis, on produit à peu près 300 m3 par jour de pétrole.
Donc ça fait à peu près 2000 barils. Avec cet achat de d'Esorep en 1997 et ensuite en 2006, on a pu reprendre des champs qui déjà, on sait que le champ était bien soigné pendant son exploitation et que les équipements sont adaptés à la production. On a eu de la chance, pas juste de récupérer les gisements, mais aussi les informations qui ont été faites par les anciens qui ont travaillé sur ces champs. Et en plus, on a récupéré certaines personnes aussi, il y a certains qui restent chez Vermillon toujours. Alors, c'est avec cette connaissance des personnes qui ont allé devant nous et les personnes qu'on a récupérées qu'on a pu ajouter notre connaissance à nous, à ce qui existait pour continuer la vie du champ. Notre travail, ce n'est pas juste de découvrir de nouvelles ressources et de les exploiter, c'est de les identifier, de déterminer si ces ressources sont accessibles, si on pourra les produire en toute sécurité. Alors, les challenges, c'est qu'on cherche des objets de plus en plus petits, de plus en plus profonds et de plus en plus compliqués à identifier, même si les techniques de mesure se sont beaucoup améliorées. Et c'est difficile aussi de découvrir des choses qui vont être économiques. Mais il reste du potentiel dans le champ de Parentis, mais également sur le pourtour, dans la zone nord-aquitaine en général. Et puis l'avenir dans des niveaux réservoirs qui sont de moins bonne qualité que ce qui a été produit jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, ces niveaux-là n'étaient pas du tout intéressants. Aujourd'hui, sachant que le prix du baril est plus haut, et donc on peut s'intéresser à ces niveaux qui sont de moins bonne qualité. Et donc là, c'est typiquement des projets de forage au nord et au sud du champ. C'est de l'ordre de 5 à 15 forages potentiels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour Vermillon en France, le champ de Parentis reste un des trois plus gros champs que nous avons en France. Alors, il reste certainement des possibilités de réduire le taux de déclin et d'améliorer la récupération finale de ce champ. Je suis rentrée chez Vermillon pour m'occuper en particulier du dossier de prolongation de la concession de Parentis, parce qu'elle arrivait à échéance en 2006 et il fallait constituer un dossier retraçant toute l'historique de la concession de manière à demander une prolongation de sa validité auprès du ministre chargé des mines. Quand on voit qu'il y a 120 puits qui ont été forés sur la concession, qu'il y a eu plusieurs phases de travaux, il fallait replonger dans les archives. À l'époque, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils écrivaient de manière manuscrite les rapports. C'était dactylographié, c'était tapé sur des calques. Donc il a fallu précautionneusement regarder toutes ces archives. C'était vraiment un travail rigoureux, un travail qui a été fait avec beaucoup de patience. Ça se sent quand on lit les archives et quand on parle aux gens qui ont pu participer à cette aventure. Déjà, je pense qu'on est assez fiers de travailler sur un site comme Parentis, parce que bon, il y a une histoire, hein, un vécu, des gens qui ont passé quasiment leur carrière de jeunes embauchés jusqu'à la retraite. Donc on se doit de produire cette matière qui est, je dirais, extraordinaire d'un point de vue énergétique. Notre principal défi, c'est le slogan, hein, de repartir le soir comme on est arrivé le matin, donc en parfaite santé. Ça, c'est vrai pour nos employés proprement dit, mais également pour nos prestataires de services, pour nos voisins, les gens qui vivent à côté de nos sites de production. Et après, c'est l'impact sur l'environnement. Donc on est très très soucieux de faire attention, d'éviter toute fuite, bien sûr toute pollution. Au-delà d'être des salariés d'une entreprise pétrolière, la plupart des gens qui travaillent sur le théâtre de nos opérations ici sont majoritairement des locaux. Donc, ce sont des locaux aussi qui sont des citoyens, qui sont des pères de famille, qui peuvent être des élus, des responsables d'associations, et qui ont aussi un vrai attachement à leur environnement de vie. Et donc je pense que là aussi, on ne peut pas être différent quand on est au travail que lorsqu'on est dans la vie de tous les jours. Donc je pense qu'on est tous attachés aussi à cet environnement remarquable et qu'on participe en tant que professionnel aussi à son maintien et un peu en héritage un petit peu des générations précédentes qui ont su aussi faire tous ces efforts. Vermillon a été nominé comme Great Place to Work
une société dans laquelle il fait bon travailler. Donc cette année, nous avons terminé 13e du concours. Nous avons également reçu le prix de l'entreprise socialement responsable de par nos actions dans les associations. Donc le prix est attribué en se basant à la fois sur un questionnaire qui est envoyé aux salariés et sur une enquête de ce qui est fait dans la société.